Ouais, donc, on va pouvoir. Enfin, je dis heureux, mais en même temps, c'est on n'est plus le même jeu, là, pour vous. Hein? Ah, c'est des tapis, là, en fait. Certainement rien. Donc, le truc, maintenant, j'aimerais bien pouvoir penser, peut-être, à installer ma pompe du Nether. Moi, je dis pourquoi pas. Le truc, c'est ça, je vais l'arranger, dire. Le truc, c'est que, avant même de pouvoir penser installer la pompe et donc vérifier si j'ai les matériaux nécessaires permettant de la faire, etc., 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 blablabla, il faut que je puisse aller dans le Nether. C'est un peu nécessaire. Donc, je vais plonger. Je laisse plein de minerais. Je vous dis, c'est pas mon objectif. Je vais plonger, je vais fouiller loin, sûrement loin, éventuellement de la lave, ou même si possible directement de l'obsidienne, ce qui n'est absolument pas certain. On a d'autres baies métalliques ici. Je ne sais pas ce qu'on va trouver par là. Et donc on va chercher de la lave. Ah, là, je vois sur la carte, il y a de la lave là. Parce que c'est bien. Une roche très noire. La lave par contre elle est en dessous. Je l'ai aperçue là, on la voit bien là, la lave, on la voit bien. Alors on va aller par ici. Il me faut des réserves de lave, de pas de lave, de d'obsi. Donc, on va chercher l'obsidienne. Bien gentiment. Dégage de là, toi. Canard de gravier. Il y a quoi déjà comme enchantement là-dessus? Efficacité 4. Ah, mais c'est pour ça que ça part aussi vite. Pas très loin. J'espère juste qu'elle va pas me sauter à la gueule. Non, ça va. Très bien. Et hop là. Ouais, forcément. Anna. Et ben voilà, mon petit bassin. Excellent! Excellent, excellent! Allez hop! Quelques torches dans le coin histoire de calmer les choses. Et ben voilà! Voilà! Donc je vais miner ça. Je sais que j'avais déjà trouvé un bassin de lave avant. Alors c'était un endroit totalement différent. Je sais parfaitement. Et j'avais pas récupéré tant d'obsidienne que ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu regarder ce que j'avais en stock. Ça aurait été pas trop con. Et quoi qu'il en soit, je vais prendre tout ce qui se trouve là. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais tout prendre. Comme ça me fera de bons stocks d'obsi. Ça sera toujours pratique. Allez, hop. Obsidienne. Et puis je vous dis pour vous à tout de suite, pour moi dans un bon quart d'heure, le temps de miner toute cette merde. Oh, quelle horreur, la surface que ça fait. Allez, à tout de suite. Ça progresse. Doucement. Bordel, que c'est long! Nyeré, voilà, j'ai tout miné! Il y en avait 69, bordel de merde. 69 laves sur cette surface. Wouah! 69 obsidiennes en poche. Youpi! On reste aux aguets. Youpi, youpi, youpi! Eh ben j'ai bien fait de rester aux aguets, dis-moi. Ah, en plus, il y a un orage. Ça promet. Allez hop, fous le camp, toi.
C'était de quel côté la maison déjà? C'était par là à peu près, d'accord, mais... Ouais, bon. Bon, anyway. On explore. Ah, je me souviens de cette cascade de lave. Enfin, d'en bas, de la cascade de lave. Je me comprends. Attends, voilà. Ça pourrait être intéressant. Ce sont des échins de terre, ça, non? Yes. Si, je dis bien si, je veux me lancer dans Tombcraft, je pense qu'il m'en faut de ces trucs-là, les échards de Der. Et je vois qu'il y a un peu de quartz, c'est pratique pour se faire des outils aussi, le quartz, donc j'en prends. Hop. Hop, tout, 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 tout. Je m'occupe de ce squelette. Allez, hop, dégage. La maison maintenant. La maison, et on voit un peu plus en détail l'utilisation, et merde, de ces échards pour Tombcraft. Ce qui me semble avoir vu récemment, très récemment, que les échards de Der sont nécessaires pour Tombcraft pour faire le... Je crois le... Comment ça s'appelle? Le tomomètre? C'est le tomemètre en fait. Qui permet d'apprendre les différents aspects du monde. Ça a été complètement modifié. Dans les modes Tombcraft précédents, je sais que je ne les ai pas présentés en vidéo, parce que je ne les ai jamais vraiment utilisés. Mais dans l'idée, il y avait la table de recherche, on met un objet à l'intérieur. Et non, même pas en fait. Avant, chaque objet, on connaissait tous leurs aspects. Simplement en regardant l'objet avec nos petits yeux. Ok, c'est très pratique, mais c'est absolument pas comme ça que ça se passe maintenant. Pas du tout. Non, non, du tout, du tout. Maintenant, il faut connaître les différents aspects du truc avant de pouvoir en apprendre de nouveau. Putain, je tank ça dans le psy maintenant. Super. Grosso merdo, on ne connaît naturellement que les quatre aspects, on va dire de base, vraiment de base. C'est-à-dire, je crois que c'est un truc comme... ça aussi, on va y ranger là. Ça doit être un truc comme, je sais plus, il y a la terre, il y a je ne sais quoi d'autre, enfin bref. Mais un aspect comme vivant, par exemple, et bien ça, on peut pas le connaître naturellement, on va dire, comme ça, basiquement. Ah là, c'est avec ça, le tomomètre. Deux échards de terre, deux lingots d'or et un bloc de verre. Et donc ça nous permet, oupla, ça nous permet d'apprendre les différents aspects. J'ai combien en or? Enfin bon, on se mettra sur ça plus tard. J'ai beaucoup d'obsidienne. Youpi, je peux faire également, vu que j'ai ceci et ceci, je peux faire également un briquet. Alors le briquet, c'est dans ce sens-là. Yes, flint and steel. Flint and steel. J'ai eu un doute pendant un instant. Non, c'est bon. Ok. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toi, je t'embarque. Si je dois aller dans le Nether, toi, je te prends avec moi. C'est une certitude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un portail vers le Nether. On va en ouvrir un. On prend juste le minimum. Attends, voir, c'est ce que c'est le minimum? Non. Ça, c'est le minimum. On va juste faire un tout petit tour dans le Nether, histoire de se rendre compte de ce qu'il y a de l'autre côté, au niveau de là où va se trouver le portail, avec, dans l'idéal de la... Ah, il s'est vachement bien barré, en fait, comme chemin. Dans l'idéal... Dans l'idéal, disais-je. Oui, un océan de lave. Un océan de lave à proximité. Le portail Nether, pour être sûr, on va le mettre là-bas au bout. Figurez-vous. Comme ça, on va pas être trop... Ah, quoique. On va le mettre un peu plus près.
L'idée, ce serait de le mettre relativement loin, de sorte à pas être emmerdé par les zombies cochons ou les autres saloperies qui pourraient en sortir, en supposant qu'il y en ait d'autres, mais que ça reste quand même accessible. Donc, je sais pas, on va y mettre là. Allez, hop, on va le mettre là. On va le mettre là. 4, alors. 1, 2, 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, 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 hop. Le strict minimum. Alors, le truc, c'est que les cristaux comme celui qu'on aperçoit là-bas, dans le Nether, ils ont des effets négatifs. Ça fait que je sais pas si je vais revenir vivant. Ça fait que dans le doute, je vais ranger ma pioche en diamant. C'est... Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a un point violet sur la mini-carte dans cette direction. Je sais pas ce que c'est. Ah. Je sais pas ce que c'est. Bon, peu importe. Peu importe. Alors, toi... Un peu de retard, le coffre. C'est pas grave. Toi, on va te ranger et... Oh, yo, 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 hé. Hé, pépép. Connard. Il faudrait que je bouge ce passage quand j'y suis pas. Quand je sors pas. Il faudrait que je bouge ici. Voilà, c'est bouché. Il faudrait que j'allume aussi à ce niveau-là. Hop, comme ça, il n'y a rien qui peut spawner sur les escaliers. Voilà. Alors, j'ai posé ma... Ok, ma hache aussi, alors, dans le même esprit, hein, c'est... Dans la logique des choses, hein, c'est... Puis ma pelle aussi, j'en ai pas vraiment besoin dans le Nether, d'une pelle. Je ne pense pas, du moins... La coyasse, on va la ranger à nouveau. Et le nonos également. Bon. Bon. J'ai mon miam. Bon, le seau d'eau en lui-même, il sert pas à grand-chose. On va le ranger là. Autrement, non, ça a l'air bon. Autrement, c'est du bois, c'est du charbon. Oh, c'est pas grave, c'est pas très grave. Allez hop. Allez hop, on va plonger dans le Nether. Histoire de repérer les lieux. N'est-ce pas? Ah, il y a le cristal blanc qui empêche tous les effets de tous les effets magiques. J'avais encore 4 minutes de régène, il me l'a supprimé. Hein? Dans le Nether, je crois qu'il rend les mobs invisibles. Oui, les mobs, pas moi. On va se méfier, hein, on va se méfier des cristaux dans le Nether. Alors. Génération Nether. Du bois! Du bois partout! Oh putain! Avec de la wart. Avec des fleurs de feu. Ne pas toucher, ça brûle. Beaucoup de wart. Wow. Tant de wart. De la glowstone. Déjà quelques minerais. On va s'en méfier. On sait que ça peut exploser. Il y a juste les minerais. Les minerais de quartz, ce qui lui est normal. Qu'on va se méfier de tout ça. Bon, il y a beaucoup de bois. Ça me surprend que ce bois n'ait pas brûlé d'ailleurs depuis le temps. Mais. C'est pas bien grave. Du minerai, du bazar. Est-ce qu'il y a un océan de lave dans le coin? Alors attends, voir, avant d'explorer. Avant d'explorer. Très important. Portail. Hop! Ah, faut pas déconner. Donc, maintenant on peut explorer Peinard. Enfin, Peinard. Quand même s'assurer qu'on ait un chemin du retour. Mais dans l'idée, ah, un cristal ici. Par exemple, son effet à lui, ça va être quoi? J'ai peur.
Pas d'effet sur moi, alors c'est sur les créatures, donc c'est pas forcément mieux. Peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Cristal blanc. Redstone. Ça, c'est de l'os. Ça, c'est une pierre tombale. Va savoir pourquoi. Y a pas d'océan de lave, par contre. Je suis à quelle hauteur? 64? J'aurais pourtant en voir. Je devrais pourtant en voir. J'avoue que ça me rassure pas beaucoup, ça. Ça remet... Ah! Ah là 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 là! Ah là 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 là! Saloperie! Viens là, saloperie! Ah! C'est ça les trucs qu'il y a sur le radar? Non. Ah, je le vois sur le radar. J'en vois un autre. Il doit être en dessous. Très bien. Oh, Elfish, putain, des Silverfish version Nether. Ah bah tiens, comme si ça n'était pas assez chiant avec les chauves-souris explosives et tout ce bordel. Non mais attends, y a pas de lave de ce côté. Tu déconnes? Ah, si, là-bas, il y a un grand océan. Ah, bordel, faut aller loin, dis donc. Eh. Ah, mon portail est pas mal dans la terre. Oh, remarque. Remarque, c'est pas forcément mal. C'est pas forcément... Oh oui, là on le voit bien l'océan. Ouh, ouh, ouh. Ouh, il y a du bon océan de lave là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Ok, donc on va se le marquer. Océan de lave. Hop. Comme ça, on saura le retrouver. Très bien. Très bien, très bien. Alors, à part ça, est-ce qu'on a autre chose à voir dans le Nether? Là, il y a de l'ardite. J'aimerais bien miner un peu de ces ossements. Je crois, disais-je, qu'on peut les péter en os ensuite. Ouais. Et ça, pour les cultures, c'est bon. On va s'en prendre un peu. Je me demande si on peut le faire pousser. Ce serait intéressant. Ça m'étonnerait, remarque. Voilà, on va miner un arbre. Un arbre, je dis un arbre. Un arbre à os, oui, tout à fait. Un bone tree. J'ai même... Non, je pense pas qu'on puisse en faire pousser de ces trucs. C'est dommage d'ailleurs. En principe, c'est dommage. On va récolter un en entier. Nous fera un peu de stock de poudre d'os pour nos cultures et histoire d'avoir une bonne source de nourriture bien violente. Allez hop, hop et hop. On récupère tous les morceaux. Voilà. Voilà. Alors, ceux-là, ils se transforment en 3 poudres d'os, ceux-là en 6, et ceux-là en 12. Ah bah super! Ça s'utilise comment? Comme ça, d'accord. En pulvériseur, ça y double. Très intéressant. D'accord. Et là, j'imagine que c'est pareil avec ça. Ouais. Et là, également. Qu'est-ce que... D'accord. Ah oui, d'accord. Bon. Ok! Oui, c'est vrai, t'étais là, toi. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des champignons translucides. J'imagine que c'est pas du bon. Oui. Attends, j'ai des graines? C'est tellement ridicule. Alors, on a d'autres champignons ici, des champignons transparents encore. C'est tellement n'importe quoi, dites donc. Oui. Ah
Aïe, aïe. Autrement, on n'a pas tant de choses que ça dans le coin, j'ai l'impression, hein. On n'a pas tant de choses que ça. On a du sable nether. Oh, des baies. Des baies nether. Je veux. Ouais. Oui, jump boost mais lenteur. Bon, bah. Ça peut être sympathique. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Alors, encore des baies. Ah non, ça c'est des fruits. Des fruits d'un arbre. C'est un peu moins intéressant. On a encore des petits démons. Putain, ils ont 40 points de vie, tu te fous de ma gueule. Je pensais pas que c'était aussi résistant, ces saloperies. Qu'êtes-vous? Je ne vous demande qu'une graine. Fuse wood. Explosive personnalité. Oh, on va pas rester à côté. Fuse wood, oui, fuse, la mèche. Du bois de mèche. Du bois de mèche. Ouais. Ouh, là, il y en a du brûlé. Il y a des cases brûlées. On va éviter de les toucher. De ce côté-là, on a des champis verts! Glowshroom! Des champis luisants. Allez, je te replante, j'ai pas besoin de toi. Plus de lave, plus d'océan de lave! Bonjour, zombie cochon! Plus d'océan de lave avec des arbres qui brûlent! Oh, la coulée de lave! Waouh, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va essayer de descendre. En plus, c'est pas très loin du portail. Les graines de concombre, tu te fous de ma gueule. océan de lave également. Voilà. Ok. Et là, ce cristal jaune, il a quel effet dans le Nether? Mining fatigue. Eh ben, vous voyez, négatif, négatif, pas bien ça, pas bien. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas méchant encore comme effet ça. C'est pas très méchant. Ça fait miner moins vite, tout simplement. Ah! Je disais, fleur de feu, pas marcher dedans. Fleur de feu, pas marcher dedans. Blibli. Mon portail est où? Ah ben il est là. Ok, on a fait le tour du proprio rapidement. On a vu rapidement où était quoi. Très bien, on a en vue deux océans de lave, c'est très très bien ça. Je pense qu'on est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se ramasse en plus? Ah! Ah, c'est sympa. Des nuages de cendres qu'on peut ramasser. Sandek. 10. Quand ils disent en 3x3, ça se convertit en charbon. Charbon de bois. Oh, c'est sympa. Intéressant. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on a fait un petit tour du Nether, on sait que c'est pas très méchant dans les environs de là où on spawn dans le Nether. C'est pas plus mal ainsi. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On est entouré de minerais. Il y a deux océans de lave pas loin. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Autrement, ce coffre-là est vachement plein, bordel. Autrement, on a plein d'ossements pour faire plein de cultures. Waouh! Tout ce qu'on a comme ossements, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voyons voir. Ça pousse pas. Ah, bah tiens, ça pousse pas.
Est-ce qu'on peut accélérer sa pousse? Non. C'est peut-être pas planté dans les bonnes conditions aussi. Est-ce qu'il faut un seau d'eau à côté? Un bloc d'eau? C'est une question. Question que je me pose parce que j'ai envie que ça pousse ce truc. Hop. Faudrait que je m'informe sur ce machin. Parce que si ça ne peut pas se pousser à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous avez mis des graines? Ce serait débile. Mais oui, on dirait pas qu'on peut le faire... Pas avec ça, du moins. Hein. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, j'avoue. Ce que je vais faire. Je vais faire passer... Ben, je vais m'informer sur les arbres os, entre guillemets. Savoir si on peut les faire pousser. Si c'est le cas, j'essaye. Ce que je vais faire aussi, c'est faire de la récolte massive de ça. Et si ça, on peut pas les faire pousser, je les réduis en poudre d'os. Et puis je fais une récolte massive pour avoir des tonnes de petits pains. Je m'informe également sur ce machin. J'essaye du moins. Parce que ça me peut... Je me demande comment on fait pousser ce machin et ça m'intéresse. Peut-être qu'il faut simplement le mettre au soleil, au vrai soleil. Peut-être suffisant, mais bon, faut... Je m'informe là-dessus et puis je vous retrouve pour vous dans un instant, pour moi dans un peu plus. A tout de suite. Je reviens avec différentes infos. J'ai pas fait la récolte parce que je suis un peu trop pressé et finalement vous la verrez, je vous emmerde. Je sais pourquoi ça ne pousse pas. Parce qu'il n'est pas planté sur le bon sol. Tout simplement. Tout simplement. Pour le faire pousser, ce truc, il me faut... Non, c'est pas là-dedans. Il me faut de ça. Et il me... Putain, il me faut du sable et j'en ai pas. Bref. Reviens à toi. Il faut mélanger un bloc de gravier avec un bloc de sable et ça nous donne deux blocs de... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette chose. Qu'il en soit deux blocs du bon truc. Et c'est bien sûr ce bon truc qu'il faut sur lequel il faut planter le machin. Ok, admettons. Je me suis informé également aussi sur les os, sur ces trucs là, et apparemment on peut pas les faire pousser. À la limite, Osef. Je reviens surtout pour un message. Un commentaire que je viens de lire par... Alors, je vais faire attention à bien prononcer le pseudo. Alors, j'espère que je le prononce bien. Régal le combattir. J'ai le commentaire sous les yeux. Enfin, derrière la fenêtre Minecraft, vous le voyez pas forcément comme ça. Et... Il m'a dit... Nice mec. Si tu utilises la touche F7, et les cases là qui apparaissent avec une croix. Et ces cases là, c'est les endroits où les mobs peuvent spawner. Tu me sauves la vie. Tu me sauves la vie d'une force, mais putain. Putain de merde! Je l'ignorais totalement ce truc, mais bordel, je vais pas l'oublier. Alors, j'avais posé une torche ici histoire de tester, et bordel de mouise, mais ça marche du tonnerre! On va résoudre le problème de créatures spawnant chez nous. C'est formidable. Eh ben tiens, en parlant de créatures qui spawnent chez nous. C'est absolument magnifique! Magnifique, magnifique, magnifique! Alors on va se manier le fion de faire le tour de la maison. De se débarrasser de ces saloperies. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Tu crois que je t'ai pas vu? Tchou! Oh, 10 d'un coup en... Oh. En... Oh. Ah bah tu m'étonnes avec toutes les cases rouges ici. Oh. Sans déconner! Sans déconner! Sans déconner!
Par contre, ça, on va y boucher pour l'instant. Là, ouais, j'avais fait ça. Il y a un zombie qui s'est tué là-dessus. Ok. Non, mais ça, c'est normal que ça soit dans le noir. À la limite, que ça y reste. Que ça y reste, que ça y reste. Ça, par contre, non. C'est quoi, c'est tout? Whatever. Mais là, ouais, je vais nettoyer la baraque de toutes les cases rouges. Cases rouges! Cases rouges! Il n'y aura plus de problème de mob à la maison. Oh, ce sera bonheur! Merci énormément, régal, je ne sais pas comment ça se prononce, tu m'envoies navré. Tu te reconnaîtras facilement. Ah, bordel! Pourquoi il manque du bois ici? Je sais plus. Je sais plus pourquoi il manque du bois. Ah, si, la glowstone, quand je l'avais récupérée. Si, d'accord. Ah, mais tu me sauves. Tu me sauves, me sauves, me sauves. Je t'aime. Non, peut-être pas non plus, mais... Oh, mais what the fuck, quoi. What the fuck. Ah, ça fait plaise. Ah, ça fait tellement plaise. Ah, bonheur. Oh, bonheur. Bon, là-bas, c'est normal, c'est de la grotte, quoi. C'est normal qu'il y ait des cases de spawn. Mais oh, bonheur, quoi. Oh. Oh, la joie. F7. F7, la magie de la touche F7. F7, mon ami. Oh. Oh, ce sera tellement pratique. Ah, super. Ah, je vais pouvoir explorer le cœur léger maintenant. Je sais où vont spawner les bestiaux. Enfin, où peuvent spawner les bestiaux. Ah, je suis heureux. Merci beaucoup encore. Allez, on rappuie un coup dessus, histoire d'enlever ça. À moins qu'il y a encore à enlever par là, remarque. J'ai pas... Ben oui, là aussi. J'ai pas fait ce couloir. Honte à moi. Et paf, régénération en moins. Clac. Cristal blanc, la magie du cristal blanc. Ok, ben voilà, la maison est maintenant sécurisée. Wouhou! Peut-être juste voir en haut des escaliers tout de même. Parce que je les ai bouchés là-haut, c'est bien, mais... Oui, c'est... C'est vrai. Non, là. Ça va sauver ma vie des dizaines de fois. Alors, j'imagine...